Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va regarder ce quatrième Sudoku classique extrait du Grand Prix ukrainien par l'auteur Serhiy Tishchenko. Celui-ci était à 26 points, donc a priori, ça devrait prendre un petit peu plus de temps que les grilles précédentes, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le cas au bout du compte. En tout cas, j'aime bien la construction avec ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, il n'y avait plus qu'à placer ça jusqu'à le rendre unique. Bien vu, j'aime bien ce genre de construction. J'ai tendance à faire un peu pareil. Bon, alors, première chose que je vois, 6 et 8 qui sont pas là. Donc, dans ce bloc, ils sont là. Et grâce au 8 qui est ici, c'est 6 et 8. J'ai remarqué que Sergi travaille beaucoup avec les paires. Ici, c'est 5 et 9. Il y a le 5 ici. Et comme ça, on a déjà un bloc de rempli. Ah oui, dans mon souvenir, il reste quand même un petit peu de travail après ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Peut-être pas si simple, la suite. Alors le 5 sur cette ligne, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc on va le mettre ici. Et on va avoir un 5 par là. On peut remarquer que le 2 n'est pas par là, donc il n'est pas par là. En fait, là-dedans, il manque un 2, 4 et 5. Donc ça, c'est parmi un 4, 5. Ça, c'est parmi 4, 5. 1, 2, 1, 2, 4. Et ce qui semble assez important, c'est qu'il y a le 2 par ici, il y a le 4 par là. Là-dedans, il me manque 1, 3 et 4. Ça, c'est pas un 1, il y en a un ici. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3, 4. 2 ici, 1 ici. Ah, je vais quand même remarquer avec les 8 ici. Je peux placer un chiffre. Je vais avoir un 8 quelque part par là. Ah, je remarque aussi le 2 qui n'est pas là. Il n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 2 est là. Je peux remarquer aussi que le 1 n'est pas là, ni là. Donc dans ce bloc, le 1 est ici. Ensuite, dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est 3 ou 4. C'est intéressant. Là, j'ai une paire 3 et 4. Ça, c'est 7 et 8. Je disais 2, 3, 4, 5. Il y a un 2 ici. Donc ça, c'est parmi 3, 4 et 5. 2, 3, 4, 5. Je vais juste avoir la restriction. Ça, c'est parmi 2, 3 et 4. Je peux remarquer aussi les 7 qui sont là. Dans ce bloc, la seule place pour un 7, c'est ici. Dans cette colonne, le 9 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il est donc là. Bon, je suis d'accord, c'est un peu désordonné comme manière de faire. Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 5. Donc avec ça c'est 3 ou 5. Ça c'est 1 ou 5. Ça c'est 1, 3 ou 5. Et on peut remarquer que dans cette colonne, il va falloir mettre le 6 et le 7 quelque part. C'est donc dans ces deux cases, et comme le 7 n'est pas là, ça va être 6 ici et 7 là. Dans ce bloc, le 6 n'est pas là, donc il va venir ici. Il me reste dans la colonne 2, 4 et 5. Le 2 n'est pas là, donc ça c'est 4 ou 5. Et on peut remarquer que dans ce bloc, le 2 n'est forcément là. Donc il n'est pas là. Ça c'est 2, 4 et 6. Parmi 2, 4, 5, il y a un 4 ici. Et ça, c'est parmi un 3 et 4. Sur cette ligne, il me faut un 6. D'après les 6 qui sont là, ces cases sont interdites. Je récupère le 6 ici. Avec ces 6 et celui-là, on va placer le dernier 6 de la grille ici. Sauf que ce n'est pas le dernier, il m'en manque un là-dedans. Le voici. Le 9 n'est pas là dans la colonne, il ne peut plus là. Et avec ce 9 et celui-ci, je place un 9 là. Maintenant, avec ces deux 9 et celui-ci, je place un 9 là. Sur cette ligne, il me manque un 7 et 8. Et grâce à ça, je peux réduire ça à 1 et 7, ça à 1 et 8.
cette colonne, il me manque 3, 4 et 7. J'ai un 7 ici, donc il vient là. Ça, c'est 3 ou 4. 3, 4, 5, ça, c'est parmi 4 et 5. Dans la colonne, il me manque 4, 5 et 3. Donc ça, c'est 3 ou 4, ça, c'est 3 ou 5. Ça, c'est parmi 2, 3, 4, 5, mais j'ai l'habitude de ne pas noter quand il y a 4 candidats. En fait, sur la ligne, il manque 2, 3, 4, 5, et avec ça, c'est 2 ou 3. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 5 et 8. J'ai 4 et 5, donc ça, c'est 8. Là, j'ai 1 et 5, donc ça, c'est 4 ou 8. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 7. Là, j'ai un 7. Là, j'ai 1, 2. Ça, c'est 3 ou 7. Donc là, 4 candidats, 2, 3, 4, 5. Et ici, 1, 2, 3, 4, 8. Donc, il reste 4 candidats, 1, 2, 3, 8. Bon, maintenant, on va essayer de réfléchir un petit peu pour voir comment on résout tout ça. Alors, si je me souviens bien, moi pendant l'épreuve, je ne me suis pas embêté, j'ai directement bifurqué. Pas envie de ruser. Bon, alors là maintenant que je regarde un peu posément, je vois assez bien cette configuration. Les quatre sur cette ligne ne peuvent être que dans les deux cases que je viens de mettre en évidence. Et sur cette ligne, c'est dans ces deux cases. À noter quand même qu'avant ça, j'aurais pu remarquer que dans la colonne ici, le 3 est par ici, ce qui élimine le 3 de cette case et de cette case. J'aurais quand même pu faire ce genre de remarque. Mais je pense qu'on va de toute façon avoir besoin de raisonner quand même un petit peu. Il y a plusieurs choses. Donc, il y a la configuration que je suis en train de mettre en évidence en vert. Je vais en mettre en évidence une autre en jaune. C'est la position des 1 sur cette ligne et la position des 1 sur cette ligne. Et dans les deux cas, c'est le même type de logique qui s'appelle, la logique qu'on appelle skyscraper, logique dans laquelle on peut repérer que là, il y a deux options, là, il n'y a que deux options, elles sont alignées d'un côté et pas de l'autre. Alors qu'est-ce que ça fait? Ben, à l'endroit où elles sont alignées, forcément, il y a une des deux cases vertes qui ne va pas contenir le 4. C'est sûr, on ne peut pas avoir le 4 dans les deux cases vertes. Donc, il y en a au moins une qui ne contient pas le 4. Donc, ça veut dire que il y en a au moins une de ces deux-là qui contient le 4. Et puisque au moins une de ces deux-là contient le 4, celle-ci, qui est dans le champ de vision commun, ne peut pas contenir le 4. Et ça va être un 3. Et avec ce 3, j'imagine que ça va débloquer des choses. Ben oui, ça va donner le 4, le 3, qui va débloquer tout ça, et ainsi de suite. Et on peut faire la même chose avec les cases jaunes. C'est-à-dire que. Le 1 est dans une de ces deux cases et le 1 est dans une de ces deux cases le long de cette ligne. Maintenant, de la même manière, du côté où c'est aligné, je ne peux pas avoir le 1 dans les deux cases. Donc, je suis sûr que je vais avoir le 1 ici ou là. Et si je regarde le champ de vision commun, j'ai cette case qui ne peut pas contenir le 1, j'ai cette case qui ne peut pas contenir le 1. Ça me donne donc ce 8, ça me donne donc ce 2. Et à partir de là, il y a plein de choses qui se débloquent. Déjà, le 3 ici me donne. Qui me donne maintenant le 7, le 1, le 8, 8 et ce 4. Ces chiffres-là me donnent ce 8, ce 7 et ce 3. 3 qui n'est pas là. Sur cette ligne, le 3 est ici. Et puis, ce 4 me donne ce 5 et ce 1. Je récupère le 4 ici. Ce 3 me donne le 2 ici. Avec le 1, ça c'est un 3, 4, 2, 5 ici, 3 là, 3 et 4 ici, ça me donne ce 1, 3 ici, ça me donne 5, 2. Là, il n'y a même pas besoin d'explication, les chiffres tombent les uns après les autres en cascade, et on finit avec ce 1. Donc là, il y avait un petit peu de reconnaissance de configuration, donc comme je disais, pendant l'épreuve, j'ai juste bifurqué, ce qui m'a permis de conclure. Il y avait peut-être d'autres manières de finir. Je vais regarder en vitesse. Si je reviens à l'endroit où j'ai utilisé cette logique, et je l'ai utilisé, voilà, je l'avais utilisé pour placer ce 3. Si j'efface mes couleurs,
Est-ce que je trouve autre chose comme logique? Je vais regarder, hein, il y a peut-être moyen de trouver autre chose comme logique. Peut-être qu'il y a un pur X-Wing quelque part. Bon, je vais regarder mollement, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose de fondamentalement différent à trouver. Oui, les vidéos sont pas scriptées, hein, qu'est-ce que vous voulez? Oh tiens, il y a un swordfish là. Sur cette ligne, les trois sont là. Sur cette ligne, les trois sont là. Et sur cette ligne, les trois sont là. Ce qui fait que, donc sur ces trois lignes, on a repéré les trois. Et ce qui veut dire que sur les trois colonnes correspondantes, on a déjà localisé trois occurrences du chiffre 3. Et on peut en déduire qu'il n'y aura pas d'autres occurrences du chiffre 3 sur ces trois colonnes. Et en particulier, cette case ne peut pas contenir un 3, cette case ne peut pas contenir un 3. Donc ça permet par exemple d'éliminer le 3 ici. On peut se rendre compte que ce n'est pas vraiment une élimination décisive. C'est juste, je me disais, tiens, il y a peut-être moyen d'aller détecter autre chose d'intéressant, pourquoi pas, parce que c'est vraiment intéressant, c'est pas si sûr. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je cherche quand même en vitesse si je trouve autre chose d'intéressant à raconter. Ah oui, je vois autre chose d'intéressant à raconter. Alors, cette autre chose d'intéressant, c'est une chaîne. Alors, où elle était la chaîne? Elle était là. Je vais partir d'ici. Ça, c'est 3 ou 5. Et je remarque 3, 5, 5, 4, 4, 8. C'était où? Non, c'était pas ça. Ah, flûte, j'ai perdu le fil. Bon, puisque j'ai perdu le fil, je vais profiter de cette diversion pour conclure cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudo Canard.